La Cour a statué, voici la décision. Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre des parties en matière correctionnelle sur appel et en dernier ressort, après en avoir délibéré en la forme, reçoit l'appel principal du prévenu et celui incident du ministère public. Au fond, sur l'action publique, reforme le jugement numéro 093 rendu en date du 23/02/2024 par le tribunal de première instance de Bixine. Statuant à nouveau, déclare Sékou Jamal Pendassa coupable de ce délit de provocation directe à un attroupement non armé ni suivi d'effet. Pour la répression, le condamne à 3 mois d'emprisonnement, dont 1 mois 6 jours ferme et le reste assorti de sursis et à 500 000 francs d'amende. Le condamne aux dépens, en application des dispositions des articles 122, 135, 632 du Code pénal, 548, 599 du Code de procédure pénale. Voici la décision trouvée par la Cour. Victoire, 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 vict